Are you still there? To delete your message, press 7. To save it in the archives, press 9. To hear more options, press 0. What are you talking about? Hey! On est à la plage aujourd'hui, on avait une beach. J'espère que vous allez bien. Nous ça va. Je suis avec Léa et Firas, qui ont gradué hier d'ailleurs. Et on va faire quelques courses ce soir. On fait un petit pique-nique avec Freddy, c'est son dernier soir. On est à Venice Beach. J'ai enfin été à la plage. Non, ça, c'est pareil ça, tu vois, il était temps. Et à un moment donné, ça fait 2 mois et demi que je suis là quoi. Vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle des sprouts. Des sprouts quoi. Je cherche le sens de la vie là. Tu l'as trouvé? Le sens de la vie est à droite ou bien à gauche? À gauche. Plus au fond à gauche, d'accord, très bien, merci beaucoup Firas, merci. Friday's last night. So we went. On était à la plage. Et là, on va aller faire un tour à Santa Monica, qui est juste là-bas. Là, mais vous allez pas du tout voir. C'est dans l'amas de lumière qui est là-bas. Ok, je vous mets des images de Venice Beach la journée, et je vous mets des images de Venice Beach la nuit. Creepy. Ça va être ma toute première fois en trottinette électrique. Même Léa carrément, elle me croyait pas. Et oui, on s'est tous acheté le Sweet Life Guard. Mais j'ai posté une photo sur Insta, vous l'avez sûrement déjà vu. C'est trop cool, c'est une music box. Je vous ai pas raconté, mais je leur ai raconté à l'instant. Je me suis fait renverser par un mec en vélo Uber là. Enfin, vélo trottinette bizarre. Voilà, en allant à l'école la semaine dernière. Hey Freddy! Et là, je vais vraiment essayer pour la première fois. Quand j'ai dit à Léa que j'avais jamais fait, elle m'a dit: ta gueule! Ta gueule! Arrête! Non, je te jure, j'ai jamais fait. Elle m'a dit: mais arrête! Ouais, je te jure! Parce qu'en fait, j'ai trop peur. En plus, j'ai vraiment la tenue extrêmement adaptée là, tu vois. Non, j'ai une tenue qui pue la merde, ça va, ok. J'ai passé la journée à la plage. Déjà, j'ai lissé mes cheveux pour absolument rien parce que l'humidité là. J'ai très envie de faire pipi aussi, accessoirement. Bon, je vais essayer là. C'est l'heure du tuto de Léa qui va m'apprendre à comment m'en servir. C'est 2-3 pas.
Ouais. J'ai jamais fait ça. Vas-y, t'avances 2-3 pas. Mais ça freine de ouf, wesh. Ouais. Bah, bah après tu contrôles, mais tu peux aussi freiner derrière, mais c'est moins bien. Ok, on fait demi-tour. Ouais, mais moi, c'est bon, j'ai compris, normalement tout va bien se passer. Vous avez vu, même en claquette on déchire, t'inquiète. J'ai très peur pour ma vie en vrai, mais ça va le faire. Trop bien, je veux recommencer. Oui. C'est trop lourd, tu vois, franchement. Je savais que j'allais tenter un jour dans ma vie. Je valide la trottinette, même si j'ai failli mourir la dernière fois à cause d'une trottinette. Je sais pas combien j'ai de temps avant que la caméra s'éteigne. C'est la fin de la journée, on va rentrer. On a fait un tour à Santa Monica Pier, mais j'ai pas assez de batterie pour vous faire beaucoup de plans. Vous en avez eu 5 ou 6 peut-être. En tout cas, c'est 2-6 secondes. C'est la fin de ce Go Girl. Peut-être que je vous... Vous devinerez jamais ce qui vient de se passer. On va voir Pierre et Johan. Vous vous rappelez de Johan quand même, vous n'avez pas pu l'oublier. Donc hier soir, à minuit, j'ai Pierre qui vient sonner chez moi. Hi guys! Hi! Donc j'ai Pierre qui vient sonner chez moi à minuit. Vas-y, moi je m'étais couchée tôt, tu vois, j'étais crevée après la Pride, c'était trop bien d'ailleurs. Donc j'ouvre, moi je sors de mon lit, tu vois, je m'étais endormie maquillée en plus. J'ouvre, brassière sans soutif, limite short cycliste, enfin laisse tomber. C'est pas, il y a Johan qui débarque. Hi! Bien sûr, bonjour à Go Girl. Go Girl. Je suis trop contente d'être Giovanni, tiens. Tiens, reste à Nice ou ouais, je sais pas où là. Joe, il est grave pas venu nous voir. On est en train de parler de Gaëtan qui a rasé sa tête. Ça te va beaucoup mieux, genre rasé. Johan aussi a rasé sa tête. Pierre aussi a rasé sa tête. Au début, il avait des cheveux. Et Pierre vient de dire, moi j'étais déprimée, le mec nous a fait une Britney Spears. Mais je pense que c'est la Mirada qui vous fait raser la tête. J'ai commencé, je me suis rasé la barbe et puis... T'as fait, oh merde, attends, bon allez. Oups, oh non. Ouais mais le pire ce que j'ai eu c'est que la rire c'est pas facile à se faire soi-même. Ouais. Putain, je viens de me rappeler donc, il avait une petite queue de cheval, bichette. Oh, c'est le Coca-Cola. Calm down, calm down. Oh my god, looking at a brand new car. On va faire un jeu maintenant dans mes vlogs. Des fois, je vais chantonner des trucs et vous devez dire oh, Cindy, à 7 minutes 52, t'as chanté. Bah, je sais même pas ce que je chante, mais t'as compris. Moi, j'arrive pas, Johan, à faire ça, moi. Ça va pas grave. Vas-y, refais-le. Ah, oui, il en mange des pâtes. Ah, ok. Ah, tout d'un coup. Oui, il en a. Croque. Non, tu le croques et t'as. Et c'est comme ça. Le, t'as spill le jus. C'est comme ça. J'ai l'impression que vous faites du parfum. J'aime pas du tout. Mais tu l'as mal mangé. Crache-le, mais tu l'as mal mangé. Mais non, c'est pas bon. Hey babe. How are you? I'm fine, and you? Good. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Sorry, I'm gonna talk to my phone. Okay. So don't feel... No, the music is fine or... Yes, it's okay, no worries, we will not hear that. Là on va aller au Sky Space. J'ai beaucoup entendu parler de cet endroit. Je pense que le coucher du soleil va être absolument incroyable ce soir. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits nuages et vous savez que les petits nuages, c'est cool pour les couchers de soleil. C'est tout. C'est vraiment tout ce que j'avais à dire. On va y aller, on verra comment c'est, j'ai trop hâte d'arriver. We made it! On est actuellement à Downtown LA. À chaque fois que je dis on est, souvent je suis toute seule, mais je vous inclus dans le on. Ça se trouve on est 200 000 à l'heure où je tourne, enfin à l'heure où je vais poster. Si jamais on est 200 000, merci beaucoup. Si jamais on l'est pas encore, je sais pas ce que vous attendez, mais soit. Nous sommes à Downtown LA, c'est vraiment le quartier qui me fait grave penser à New York, comme vous le voyez. Il y a énormément de buildings. Très 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 haut, énormément de trafic, on est vraiment dans la ville de Los Angeles.
Et non. I was joking. Mais ça marche hyper bien vraiment. Regardez, je vais vous montrer les plans que j'ai fait. Oh là là, ce sunset. Oh my god, that's an incredible sunset. And I've been tripping, I'm tripping, tripping, I'm tripping, tripping, I've been sipping, I said, oh, c'est trop joli, regardez. Oh, on dirait que c'est un building, mais en fait, non. This feeling you keep, keep me, you got me feeling. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est Johan. Johan, tu m'as déjà fait le coup. Toi? Je savais. Ça va et vous? Ouais. Je suis la seule à avoir un coup de barre fois 1000 là? Non. Ah ok. C'est rassurant déjà. Ah mais je suis au bout du Rolls. C'est au bout du Rolls. Du Rolls? Je viens de passer 5 heures à faire du montage là. J'ai été mal à dégaine que j'ai déjà. Y'a rien qui va ensemble. Que je pourrais m'endormir. Ouais. Ah ouais, non, là vraiment. Oh, putain, on dirait Mowgli. Yeah. Tu es avec nous ce soir? Bonjour. Ici. Je commence à avoir la fatigue de la bêtise. C'était déjà arrivé de vouloir faire un truc tellement bien que du coup t'as l'impression que c'est nul. C'est d'avoir une image dans ta tête, mais c'est pas du tout comme ça que ça. C'est ma créativité en ce moment là qui veut pas du tout coopérer. Et un peu comme ma coupe de bûche aussi là. Cindy, c'est un amour les gars. Oui. C'est, ah, c'est vrai. Subscribe. 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 Can like, you say subscribe to my channel in Japanese? Doshi doshi follow してください. Oui. I said please follow your account. Thank you. Guys, ça fait 3 mois que je vis ici et enfin on fait tous un gros cache-cache. Je suis trop contente. Donc ici on a décidé de faire un cache-cache dans la résidence. Mais on a que la résidence pour se cacher. C'est Léa et moi qui comptons. Donc on va aller se planquer dans ma chambre pour compter. Et on leur a laissé 4 minutes je crois pour se cacher dans toute la résidence. On est en train de compter et comme des cons on était se planqués dans ma chambre et comme des cons ils sont là. Donc je sais pas vous dire où c'est, mais on n'arrête pas de les entendre faire des chuchotements. Et donc on sait déjà qu'il y a des gens qui sont cachés juste là. Alors j'ai déjà trouvé quelqu'un. On a trouvé Mélanie. Alors on a trouvé Cindy. Ouais, on a trouvé Cindy. C'était cassé là. Et l'accès, donc je sais pas du tout comment. J'ai fait gaffe. Ophélie vient de gagner parce qu'elle avait trouvé vraiment une putain de cachette. Elle était cachée où? Dans l'armoire. Je viens de m'enfermer à l'extérieur, j'ai pas les clés, je sais même pas quelle heure il est, j'ai pas mon téléphone. Je suis montée sur le banc là pour essayer de prévenir là, mais y a personne. Pierre il est sorti, en fait je suis dans la merde là. Ok, je suis dans la merde. Je me réveille dans 5 heures, je dois terminer Go Girl. Il fait froid. Non mais là franchement c'est hors de question que je reste dehors en fait, je vous explique. Là c'est la chambre de quelqu'un mais personne ne répond. Sauf qu'en fait je suis bloquée ici, il faut une clé pour ouvrir. Franchement c'est jouable. Yui ? Je monte sur le banc, tac, deuxième pied ici, boum, je monte là. En fait c'est là-haut qui me fait un peu peur parce que en plus tu vois, vraiment la tenue adaptée. J'ai des flip-flaps et une robe. Oh ! Ok la serviette elle vient de tomber mais c'est pas du tout naturel qu'elle soit tombée. J'ai trop peur. Bon bah on va escalader, on n'a pas le choix. J'ai pas envie de me casser la jambe en fait. Oh, j'ai réussi, j'arrive. C'est good. En fait c'était pas si compliqué, j'avais juste peur. Vous voyez la peur ça sert à rien. Allez hop, petite leçon de vie. La cigarette électronique elle a glissé dans ma culotte si vous voulez tout savoir. Hop là. Elle est tombée. Bon, ça veut dire qu'il faut aller se coucher là. Je viens de vivre une aventure comme ça gratuite. J'en voulais pas. Je vous fais des gros bisous. Faites de beaux rêves. Ah.
T'as hâte? Ouais, j'espère qu'on voit des dauphins. Parce que... C'est sûr qu'il y aura des dauphins, sûr. Mais je pense qu'on est sur un jour où les baleines ne se cachent pas. Mon état de santé ne me permettant pas spécialement de filmer un peu plus, je passe actuellement là en voix off. On est parti ce jour-là à San Pedro faire un whale watching, donc c'est-à-dire qu'on espérait voir des baleines. On a eu la chance d'observer des dauphins dans leur milieu naturel et je vous laisse découvrir ça. Le sunset, mais oh la vache! Putain! J'étais en train de filmer les bâtiments qui s'allument, le mec qui se bave dessus depuis. Puis on a terminé ensuite par un beau coucher de soleil sur Hollywood. Les montagnes d'Hollywood. Bon, on l'a raté, on était en retard, mais on a quand même bien kiffé ce moment. Et j'ai à peine eu le temps de réaliser que c'était déjà les derniers instants, que c'était l'heure de mon speech, donc on se retrouve à l'école. And I asked to come up because Cindy was my student for the longest time, and since Maya wasn't here, I didn't want, no offense, some stranger to give you your certificate. Okay, so I wanted to be the one to present it to you, and I'll let her give the speech, so I'll keep mine short, but come on up. Hi guys. I don't really know what I was looking for when I took the decision to come here, but what I found exceeded what I could ever imagine. I found a new me, more confident, more passionate, more curious, more independent, and also more sensitive, as you can tell. Coming here in LA was one of my goals since forever, and now that I made it, I feel like I have to say goodbye to an old friend. Since we're talking about friends, I met incredible people here. I found real friends with a big F, like Faith, from all over the world. Switzerland, Italy, Germany, Catalonia, Brazil, Japan, Korea, China, and of course Belgium. I've learned a lot about English, of course, but also about America and a lot about other cultures. I want to say thank you to my teachers. Thank you, Michelle. Thank you a lot. You're the best teacher I've ever had. Thank you, Gabriel. I would have loved to spend much time in your classroom. And also, I'm sorry for other teachers. You didn't get the chance to have me in your classroom. But you know, life is life. I would love to say thank you to all the King staff, of course. Thank you so much, guys. You are incredible. You're doing so much for us, and we can tell. By coming here, I left everything I had in Paris, like you guys. My apartment, my doubts, my cat, my fears, goat cheese, French pastries. I go back with memory, a heart full of love and hope, and I feel so grateful. I've got engaged with myself in Las Vegas, lost my iPhone in the Runyon Canyon, and after a 2 hours car chase, we found the thief and they give me back. I went to Coachella, I've met Ariana Grande, and I had the worst hangover that nobody has ever experienced, ever. I will not miss my bed in La Mirada, because I've been waking up every morning with the feeling that somebody hits me all night. But I will miss you guys a lot. I want you all to fight for your dreams, speak up your minds, be whatever you want to be, and love yourself. Thank you so much. On récapitule. C'était une aventure de dingue. On est sur le dernier Go Girl de la saison 1 et j'arrive à peine à y croire. J'ai merci beaucoup. Merci. Et merci. Et ce qui rend cette aventure encore plus magique, c'est d'avoir pu partager tout ça avec vous. Je voudrais sincèrement, mais sincèrement vous remercier.
our friend Whoa, whoa, oh, ooh la la! Here we go. Thank you so much. Woo! Non, super, tu as trop manqué. Enfin, trop. Pour ce qui est de Go Girl, vous inquiétez pas, c'est pas terminé. Je sais pas quel pays je ferai ensuite, mais je sais qu'il y aura une saison 2, et j'espère une saison 3, et pourquoi pas une 4ème. Et on pourrait peut-être aussi faire un truc genre, je sais pas, quelque chose comme un Go Girl Tour.